Oh là là. Ok, bon du coup, c'est un peu bizarre, les vagues, elles sont, les conditions sont vraiment parfaites, mais c'est un peu trop gros, donc je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Mais bon, on va quand même se mettre à l'eau, j'ai pas trop de temps pour réfléchir. Donc on va se mettre à l'eau, on va essayer de choper des vagues, on va bien voir comment c'est. Allez go. Le plaisir, les dunes comme ça là. Allez là, je suis tout seul, il y a personne sur le spot pour l'instant. Je viens de voir une bombe passer. Je passe pas à chaque fois parce que quand il y a des grosses aides, ça sature. Oh là là. Oh là là. Des vagues parfaites. Lever de soleil incroyable. Il n'y a personne dans l'eau. Que demander de plus. Oh. Bon, c'est compliqué de se placer là, il y a des mouvements dans tous les sens, il y a des sets qui sortent de nulle part. Il y a personne à l'eau pour prendre des points de repère aussi, c'est un peu compliqué, il y a du jus. Mais bon là je crois qu'on n'est pas trop mal. On va voir. Bon c'est quoi, c'est un peu chiant là, je fais que de ramer, il y a un courant de ouf. J'arrive pas à me placer. J'ai essayé de me freiner sur la vague mais j'étais beaucoup trop à l'extérieur. J'ai essayé de me mettre un peu plus à l'intérieur là. Ah le cochon. Putain je commence à être cuit là, vous voyez pas vous parce que je coupe, mais ça fait une heure et demie là que je fais que ramer non-stop pour essayer d'être bien placé. Mais avec le courant là, c'est vraiment sport. Bon. Ça commence à faire un moment que j'ai pas pris de vague. Thank you.
j'aurais pas eu mon barrel. C'est compliqué. En tout cas, 4 vagues en 2 heures, je trouve que c'est un bon ratio.